Voici donc la seconde méthode de soustraction que nous pouvons réaliser avec cet outil. Donc c'est la méthode par emprunt ou dite méthode hollandaise. Ce principe d'emprunter, c'est-à-dire que nous allons emprunter dans la colonne d'à côté ce qu'il nous faut pour réaliser notre soustraction. Donc j'ai déjà placé mes nombres sur mon plateau. Donc j'ai choisi d'effectuer cette opération, donc 475 moins 187, c'est-à-dire 4 centaines, 7 dizaines, 5 unités, moins 1 centaine, 8 dizaines et 7 unités. Donc là, je vais donc commencer comme tout à l'heure par ce qu'il y a de plus petit dans un nombre. Les unités. Je vais donc soustraire 5 moins 7 ou encore je vais chercher ce qu'il nous faut à 7 pour aller jusqu'à 5. Je ne peux pas enlever 7 à 5. Si j'ai 5 bonbons, je ne peux pas en manger 7. Je vais donc aller chercher ce qui va me permettre de résoudre mon problème. Je vais chercher une dizaine, donc toujours dans le même nombre. Donc j'ai dans 475, j'ai 4 centaines, 7 dizaines et 5 unités. Je vais donc aller chercher une dizaine pour aller dans les unités. Ce qui ne me change pas mon nombre puisque j'ai toujours 475. D'où l'intérêt de choisir un nombre entre 74 et 79. Donc pour bien que les enfants comprennent que nous n'avons rien changé, j'ai toujours 475. Toutefois, je ne peux pas garder une dizaine dans la colonne des unités. Je vais donc transformer ma dizaine en 10 unités. Je transforme ma dizaine en 1, 2, 4. Oups, 9 et 10. Voilà. Donc j'ai toujours 475 unités. J'ai 60 dizaines et 15 unités. Je peux donc procéder à la différence entre 15 et 7. De 7, je peux aller jusqu'à 15. Je vais donc procéder à un appariement comme tout à l'heure. Je vais enlever 7. 4, 5, 6 et 7. Il me reste 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 unités. Comme tout à l'heure, on note ce que l'on fait à chaque étape. Vous pouvez encore une fois faire noter vos élèves avant de faire l'appariement. Donc, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons ajouté, nous avons changé de place, donc une dizaine. Donc, j'ai ajouté une dizaine dans la colonne des unités. Et j'ai enlevé une dizaine, donc je n'ai plus 7, mais 6 dans la colonne des dizaines. Donc, j'ai toujours, vous voyez bien là, 460 et 15 unités. Et donc, je note mon résultat, 8. Je poursuis mon opération. Donc, dans la colonne des dizaines, j'ai donc dans la colonne du haut, 6 dizaines et dans la colonne du bas, 8 dizaines. Donc, je vais soustraire 6 moins 8 où je vais chercher la différence donc de 8 pour aller jusqu'à 6. Je n'ai pas 8 éléments que je peux soustraire à 6. Je vais donc aller chercher dans la colonne des centaines. Je vais emprunter
une centaine que je vais placer dans les dizaines. Ainsi, je ne change pas mon équilibre entre mes deux nombres. J'ai toujours 316 dizaines. Et donc, mes unités sont déjà faites. Toutefois, je ne peux pas garder je ne peux pas garder une centaine dans ma colonne des dizaines. Je vais donc la remplacer par 10 dizaines. Hop, je reprends mes dizaines. 1, 3, 4, 5, 9, 10. Voilà. 5. Je vais noter tout de suite ce que je viens de faire. Donc, comme tout à l'heure, vous pouvez noter en plusieurs fois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc ajouté une dizaine dans la colonne des dizaines, mais cette étape n'est pas sans conséquence puisque j'ai enlevé une centaine dans la colonne des centaines. Voilà, donc, je me retrouve avec le même nombre. Et je peux donc résoudre mon opération. Puisque j'ai 8 dizaines, je peux soustraire 8 dizaines à 16 dizaines. Donc j'enlève par appariement, 2, 3. Vous voyez, j'associe une dizaine à une dizaine du bas à une dizaine du haut à chaque fois. Hop, 1 et 2. Et il me reste 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 dizaines. Je note ce que nous venons de trouver. Nous venons de trouver 8 dizaines. Voilà où j'en suis dans mon opération. Il me reste donc la colonne des centaines. J'ai donc maintenant 3 centaines dans le membre du haut et une centaine dans le membre du bas. Comme tout à l'heure, donc je vais donc soustraire 3 moins 1 ou alors chercher 1, combien il me faut pour aller jusqu'à 3. Je peux réaliser cette soustraction, donc je peux faire mon appariement de mes centaines et il va me rester 2 centaines que je place dans les solutions. Je note ce que je vais trouver. Voici le résultat de mon opération, donc effectuée par emprunt. Donc 475 moins 187 me donne 288, soit 2 centaines, 8 dizaines et 8 unités.